Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision nationale d'Haïti dans le sens, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Là, nous allons retourner sur colloque université qui se crée en tête collée avec 1804 instituts qui organisé sur un passé sur corruption et transparence. C'est la question de corruption qui fait pile parler et qui continue à faire pile parler. Là, il y a plein de monde qui croit c'est intéressant que l'université a approprié de livres, faire réflexion et puis proposer société à. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour que nous arrivions et combattions le phénomène ça dans le pays. Alors là, nous pouvons regarder les motivations universitaires qui sont par rapport à ce qui est fait là, la discussion, la méthodologie qui est utilisée, et puis qui est la finalité, je vous le dis, et puis comment l'université est capable de continuer à alimenter la qualité et la réflexion dans le pays. C'est entre autres points, nous pouvons voir avec le professeur Jacques Lumac, recteur de l'université Kiskeya. Accepter, répondre à une question, Télévision nationale d'Haïti matin. Professeur Lumac, son plaisir pour nous matin sur TNH. Bonjour, à votre service, comme toujours. Parfait. Université Kiskeya, 1804 Institute, côté l'idée, ça t'est sorti pour nous organiser un colloque, ça, et corruption et transparence. Bon, colloque, ça, on fait souvent, ça fait partie de l'activité régulière de l'université. Leur besoin de maîtriser en question. Et approfondir un domaine si on a les meilleurs outils qu'on gagne. Parce que ça permet de mettre ensemble tout chercheur, tout spécialiste qui habitue à travailler sur thématique-là. Et rencontre ça avec un moment de grand partage d'informations, d'analyses, d'opinions, de résultats de travaux de recherche. Donc, ce sont des moments de grande densité pour les chercheurs, et pour les gens qui sont intéressés en question. Et pour un étudiant en général, capsule, ça, c'est comme si tu as l'occasion de lire plusieurs livres en même temps, parce que tu cristal, toute réflexion faite pendant des années sont question. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons fait un colloque sur transparence et corruption. Et bon, pour sa corruption, c'est un phénomène de société important et dans le monde, mais aussi en Haïti. Et on voit que depuis quelques années, c'est un phénomène grandissant dans la société. Il est objet d'inquiétude pour tout le monde, pour les hommes politiques. Le président lui-même dit déjà plusieurs fois c'est non. C'est 5 plus gros problèmes pays, donc c'est une obsession pour lui. Et c'est la même chose pour les citoyens, parce que les citoyens sont victimes de corruption, les pauvres en particulier. C'est un problème important pour l'entreprise, qui n'est pas capable de produire des conditions de compétition égales pour tout le monde. Donc c'est un phénomène de société important, et c'est le rôle universitaire d'essayer de comprendre ça que derrière ça, et puis jeter un petit peu de lumière sur lui. Et puis permettre à la société à joindre plus de repères, plus d'éléments pour avancer dans la réponse. C'est pas ton colloque en plus, oui, c'est l'Ivac. Bon, et bah, nous-mêmes, peut-être pour l'autre acteur, pour l'État, par exemple, le gouvernement, l'autre instance, colloque, ça fait partie de l'activité régulière de l'université. Nous avons besoin de colloque là pour construire connaissance. Nous avons besoin de colloque là pour partager connaissance. Nous avons besoin de partager analyse d'information. C'est un lieu de rencontre de chercheurs, de spécialistes qui habituent à travailler sur une question. Et qui permettent de faire le point, ou font synthèse. Donc, c'est jamais pour nous un colloque de plus, ça fait partie de l'activité normale. Maintenant, il n'y a pas un colloque de plus dans le sens qu'on prend, non, parce que nous voulons aller plus loin que ça. Et pour aller plus loin, il faut déjà comprendre le phénomène. Non. Puisque la corruption, c'est une activité occulte. Ce n'est pas un phénomène, il n'est pas dans la rue, on ne peut pas voir comme ça. Donc, si on ne peut pas le dépister, on ne peut pas connaître qu'il existe pourtant, il est fort, puissant. Ou qu'il y a un effet, ou qu'il y a un impact sur la société, on ne peut pas le manifester, parce que les corrupteurs savent se cacher. Et donc, font travail de recherche sur lui, c'est un travail qui est difficile, mais qui est fondamental. Donc, c'est dans ce sens-là, nous commençons par mettre en place des éléments de compréhension, de mécanique de corruption dans la société, de comment elle fonctionne, et qui manifestation ni, qui forme libre, et pour ça, il y a une force comme ça, ça j'arrête, qui ça gagne comme lacune dans l'institution, dans le système judiciaire, là, qui fait qu'elle a alimenté comme ça, comme une machine puissante. Et puis après, proposer des solutions, des réponses. Vous nous parlez de ça, mais pour qui ça c'est dans le moment ça? L'université qui apprend et l'initiative font colloque sous corruption. Bon, tous les moments sont bons pour faire un travail de recherche dans le domaine par nous. Et ensuite, c'est un phénomène important dans la société. Et c'est journaliste qu'on est passé, que c'est une question qui fait débat parce qu'il prend en pile l'importance dans la société et son sujet d'alerte pour tout le monde. Pour un début d'année, nous avons fait une activité similaire sur la question du budget. Pendant des grandes manifestations dans la rue, nous-mêmes nous réunissons en pile spécialistes sur la question, nous faisons analyse, et nous pensons que c'était servi. Il était en pile mon éclairage.
même j'aime passer là, nous réunis l'autre jour là, une cinquantaine de spécialistes haïtiens et étrangers de tous les secteurs. Nous réunis des gens qui sont dans la fonction publique, tout, des opérationnels. Et échange qui était fait, le partage qui était fait là, permet tout, font un pas de plus dans la compréhension machine de guerre ça, qui est dans le pays. Et ça, c'est utile. Donc, le moment pour utile là, c'est aujourd'hui, hein, parce que le phénomène là, l'installer dans la société, et nous avons plus d'inquiétude, comme citoyens, pas seulement comme universitaires, nous avons plus d'inquiétude que les Haïtiens ne finissent pas banaliser la corruption, qu'on ne finissent pas prendre comme étant un fait de société ordinaire, et qu'on dit, bon, c'est comme ça nous y est, c'est comme ça nous est toujours y est, tout le monde corrompu, corruption généralisée, et puis il faut vivre avec elle. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas que la corruption soit généralisée dans la société. Je ne crois pas que tout le monde corrompu dans l'État, je ne crois pas que tout le monde dans le secteur privé est corrompu. Les corrompus sont forts, sont puissants. Les corrupteurs également sont forts et sont puissants. Même pas que c'est un phénomène qui est généralisé, ou capable de dire que c'est un fait typiquement haïtien, et que nous tous corrompus, que nous corrompus depuis 1804. Vous comprenez, il faut nous tirer ça dans la tête, nous, et puis tacler pour les côté qui est là. On regarde qui genre de discussion a été faite, autour de qui ça nous a tourné, différentes thématiques nous avons abordées, professeur Lubac, pendant le colloque là. Bon, nous avons pris quatre grandes thématiques. Pour les thématiques là, c'est. C'est comprendre de qui sont parlé, sa corruption en y est, qui différentes manifestations il y a, comment on définit, comment on caractérise. Mettons contenu sous des MOA et laissez vous faire économiste parler, parce que on angle d'attaque économiste sur gain, vous faites juriste parler tout, parce que le droit définit corruption, il définit comme infraction. Okay? Et ensuite, nous gardons tout, dans tout toujours dans la première thématique là pour dire ça, là, nous gardons. Comme son phénomène occulte que lié, souvent c'est à travers effet le goel. Donc c'est pour ça que vous regardez manifestation indirecte, vous regardez perception. Et nous allons parler de ça après, on va parler de Transparency International, publié chaque année, on indice de perception de la corruption. Il va mesurer la corruption, il va mesurer sa moune comme représentation de corruption, donc perception. Dans la société, première partie, hein, nous brasser réalité et perception. Okay? Donc en deuxième thématique, côté nous dit, bon, ça, c'est son problème bien dans la société. Qui répond société à Bali? D'abord, qui répond l'autorité au Bali? Les pouvoirs publics. Qui ça vous fait face à ça? Et après, qu'on met en place tout un arsenal de réponses. Il y a une institution, il y a une loi, il y a un règlement, il y a une convention internationale. Donc, on bonne bail, l'État fait pour répondre à ça. Mais pas l'État seulement. La société civile a fait ça. Il y a un paquet d'organisations dans la société civile, des ONG, qui a lutté, qui a dénoncé, qui a bain information, qui a fait enquête. Capacité juste dans quel monde, ça sont travail journalistes, hein, important. Les journalistes c'est eux-mêmes qui souvent dévoilé, ça gagne comme problème dans le domaine. Donc tout acteur ça c'est nous montrer ce qu'a fait comme dynamique de réponse, qui réponse société à bail question corruption. Ok. Troisième thématique nous prend c'est capable dit c'est aspect économique li. Parce que corruption c'est libre ses ressources, l'argent, mais c'est pas toujours l'argent, c'est qu'a son échange de d'avantages que lié. Mais il prend forme monétaire. Et quelle importance, quel impact dans l'économie sociétaire. C'est l'aspect économique. Et puis, un dernier aspect qu'on ne peut pas prendre, parce que j'aime dire qu'il y a une tendance à banaliser la corruption comme étant un fait de société ordinaire, qui sont typiquement haïtiennes. Donc, nous sommes obligés à adresser ces questions sociologiques, ces questions culturelles. Là. Quelle est l'importance de la culture, de l'histoire dans le phénomène de corruption hein, et quelle importance ça a relationnel la gain question relation moun à moun question moun pas question clientèle qui importance gain dans tabli corruption comme étant un phénomène important dans la société. Donc c'est quatre grandes thématiques ça que nous prenons. Nous avons 50 de spécialistes qui sont aux États-Unis, nous avons des universitaires, nous avons un juge américain qui travaille sur question ça, enfin un juge américain d'origine haïtienne qui travaille sur question ça, nous avons des spécialistes qui sont en Europe et puis nous avons toute université haïtienne mais aussi nous avons des professionnels du droit, des avocats. Et ensuite, tous les représentants des instances nationales qui ont un mot pour dire dans la question de corruption. Ou après, il y a un représentant Cour supérieure des comptes, il y a un représentant ULCC, un représentant UCREF, un représentant Commission nationale des marchés publics, un représentant CSPJ, un représentant ministère de la Justice. Donc, c'est tout acteur ça ensemble qui, pendant deux jours, ça, mais avec une grande intensité. Nous commençons le colloque là à 8h30 du matin, chaque jour finit à 8h, 8h du soir. Alors qu'il était prévu à finir à 5h30 dans l'après-midi. Donc c'est pour nous que peut-être c'est un bon intuition que nous avons, de nous emparer de thème ça, parce que nous rendons compte qu'il y a une grande résonance dans la société, pas seulement dans le public là, et qui alimente
y a un peu de discussion, de débat sur les réseaux sociaux, car on nous compte de ça. Mais en même temps, les acteurs du milieu, il n'y a même pas de monde qui est dans la société, qui est dans l'ONG, qui est dans le secteur privé d'affaires, ou dans le gouvernement, pas montrer un intérêt, pas montrer en disposition pour essayer de dépister le phénomène, comprendre, analyser, décomposer les mécaniques, et puis bah, des pistes de solutions. Moi, nous avons tous des personnalités qui ont dirigé l'État, ou bien qui ont dirigé l'État toujours là. Bon, effectivement, l'important tout parce que nous faisons dans le colloque là un panel d'anciens premiers ministres. Nous demandons trois anciens premiers ministres qui ont la plus grande fonction exécutive de l'État dans le gouvernement. Comment ils vivent la corruption? Et ça te gêne dans la lutte contre la corruption. Qui sont les essais faits? Qui ça marche, qui ça pas marché? Et pour ça pas marché? Qui force adverse qui gagne? Et ben non. On compte rendu de vécu ça, on vécu d'expérience qu'on gagne, parce que son leçon tout qu'on a appris de ça, et peut-être que les mêmes acteurs sont toujours là, les mêmes procédés sont toujours là, les mêmes techniques de développement de la corruption là. Donc moi c'est mettre en lumière et on parle parole que tu dis est important, gagne parler plus que l'autre, vous comprenez, mais moi c'est ton témoignage qui est important qui met ton éclairage sur lui, parce que le président dit 5 plus gros problèmes pays, c'est corruption. Bon, c'est son aveu que monsieur Fola. Monsieur Fola un aveu. Parce que souvent, c'est même genre dans le match de football, lors de aucun, ou pas qu'on s'en est qui soutient le football là, vivent comme problème, comme difficulté, ou est tout bien facile. Vous pensez, il y a un cas. Mais loin de la mécanique là, vous faites face à un ensemble de forces, de pression, souvent des forces occultes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vous avez découvert. Puissance de frappe, yo, force de frappe. Yo. On a découvert limitation que vous avez vous-même comme dirigeant pour capable avoir une réponse rapide et spontanée, j'en t'ai fait là. Donc, pour même prendre ça comme étant presque un appel au secours, monsieur dit, peuple haïtien, pour comme témoin, pour comme acteur, tout, comme partenaire, venez de me faire ça. Et en quelque sorte, ça, c'est une réponse, c'est une première réponse que l'université a Bali, parce que ce soit en Haïti ou dans d'autres pays, je ne crois pas que les pouvoirs publics seuls ont moyen de lutter contre la corruption. C'est pour ça qu'on pourrait avoir pile d'autres institutions à l'étranger et mettre l'accent pile sur la protection journaliste. Parce que souvent, c'est lui-même qui lanceur d'alerte. Là. C'est lui qui découvrit Poto Rosa pour vous. Mais c'est lui-même tout qui est menacé. C'est lui qui est en danger. Donc, il faut assurer que un filet de protection qui sécurise le travail en journaliste, les messieurs notamment, nos enquêtes. Les messieurs besoin et protéger sous d'information pour la progression. Ou bien tout grand pile dispositif de protection des ONG. ONG qui n'a souhaité civil là, qui a dévoilé ce qui a fait mal dans une structure gouvernementale. Mais il n'est pas émis gouvernement. Monsieur, c'est l'ami du bien public. Et un gouvernement qui désire de faire les choses comme il faut ne peut prendre, ne peut avoir les ONG comme alliés. Faut ONG comme ça, sont alliés, il n'y a pas qu'en 8000. Donc, même, parce que c'est coalition de force ça. Qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs, dans le pouvoir public, dans la société civile, là, dans le milieu journaliste là, et puis dans l'université. Là. En fait, sous le cadre colloque, là, j'en le configuré, sous quatre thématiques, il y a quatre groupes d'acteurs. C'est quatre, tous les quatre acteurs sont là. Après, l'État est là, l'université est là, ANMH est là, parce que nous faisons la veille colloque, là, on a tous les préparatoires, ANMH. Et puis, la société civile est là, RNDDH, Conan, etc. C'est tout le monde sont ensemble, c'est une coalition de forces que nous faisons. Et dans ce sens, nous prenons le président robot et nous disons, bon, mes contributions pas nous, que nous avons, dans la direction qu'on prend. Alors là, c'est par rapport à tout ça qu'a dit sur la question de corruption dans la société, qui fait que je dis à l'université, à vouloir approprier le bail ça, pour que les directives, les lumières qu'il faut, pour ce lumière. Bon, c'est pas ce que vous voulez parler de Petro-Caribé, c'est pas ce que Petro-Caribé. Petro-Caribé a, bon, il est important parce qu'on parle d'un pile d'argent qui brassait en quelques années dans un pays qui pauvre en pile. Ça, je pense que faut essayer de compte de ça, son choc lié pour un monde où l'argent gaspillé comme ça dans un pays qui a autant de pauvreté. Mais il faut mettre en place. Il doit pour parler de Petro-Caribé, il omnubiler l'esprit où, et vous parlez d'autre bagaille qui est plus grave, qui est plus important. Parce qu'il est établi dans ce cas, il est installé comme étant un mode de faire, une façon de faire, un mode de gouvernance. Et c'est le plus dangereux parce qu'on oublie, on pense que c'est le Petro-Caribé, mais qu'on a un autre fait de corruption qui commence à devenir ordinaire,
comment c'est bien régulier, banal, l'installer là sous et vous perdez le vie, vous ne rendez pas compte de ça. Donc, faut pas quitter. Évidemment, faut la justice faire travail. Parce que nous parlons peut-être plus dans la discussion, nous parlons que l'un des plus gros obstacles qui gagne contre la corruption, c'est le faussement du système judiciaire. C'est garantie d'impunité que le bail est coupable, le bail est une infraction quelconque. Vous faites infraction, à la limite, vous évoquez, vous déplacez, mais pas de monde qui poursuit vous. Ça, c'est un problème que vous avez. Vous faites plutôt caribé par prétexte, non? Non, pas du tout. D'abord, nous ne parlons pas de Pétro-Caribé dans la conférence. Okay. Bah, peut-être que je suis un étudiant, on nous pose une question comme ça. Mm-hmm. Mais ça nous dit. Ce qui est important pour nous, c'est si vous ne parlez de Pétro-Caribé, nous ne pas intéressés pour nous connaître qui est qui coupable, qui est qui pas coupable. L'analyse que nous avons fait sur Pétro-Caribé, nous avons dit mais comment le système institutionnel du pays a emparé le dossier caribéen et qui traite mal le Bali? Qui rôle Parlement doit jouer? Est-ce qu'il joue comme il faut? Qui rôle Cour des comptes? Est-ce qu'il joue comme qui rôle l'autre instance dans le système judiciaire, juridiction? Est-ce que Mounio remplit le rôle exactement Jean-Ouel? Pourquoi ça a toute confusion ça? Pourquoi ça a des difficultés ça pour des dossiers qui sont dossiers clairs, banals, de corruption? Donc, il faut interroger le comportement institution pays. Donc, c'est ça qui a intéressé nous. Qui, est-ce que c'est dans l'architecture juridico-légale, il dit que Jean-Loi, pays a fait, des inconstitutions en fait, est-ce que c'est dans l'organisation, appareil l'État même, ou est-ce que c'est dans le fonctionnement, c'est dans le comportement, c'est dans le jeu d'intérêt? Donc c'est mécanique ça que nous avons intéressé décomposer pour nous dire pour qui ça, le système de réponse nationale à partir de sa institution fait, efficace ou pas efficace. Effectivement, on va pas dans l'espace dans le colloque là. Côté nous interroger, ça veut dire l'efficacité des réponses que l'État a à la question de corruption. Mm-hmm. Si l'État s'appelle corruption, c'est par rapport à ça seulement. Donc c'est nous plus large, nous constat beaucoup plus large, plus global qu'un cas particulier. C'est ça. Parce que là, j'en avais regardé tout à l'heure, il existait pour que l'université amène une réflexion sérieuse, orientée société à, par rapport à tout ça qu'a dit. Pas qu'il y a trop longtemps, peut-être des professeurs Yves Doristal, tu as dit, il n'y a plus gros problème, je veux dire, c'est parce que c'est la RUIA qui entre l'université ou l'université à la RUIA. Alors, à travers quoi, le clan de l'Église, c'est l'université à la RUIA, pas la RUIA, mais l'université à l'Église. Bon, il faut entendre la RUIA tout, parce que c'est des Haïtiens, c'est des problèmes qui préoccupent. Si on a une société, il y a des problèmes qui préoccupent la société. Mais où est l'université, c'est chercher réponse à ça. Où est l'université, c'est mobiliser ressources, connaissances, savoir-faire, expertise, pour chercher réponse à des problèmes de société. Nous ne pas penser que nous, c'est ben, mon diplôme, fait collation de garde avec la formation. Et même diplôme, il faut interroger lui. Parce que on peut former agronome, par exemple, depuis 50 ans, même genre, même programme, même contenu, hein, mais il faut interroger. Mais ça, agronome n'a fait sur le terrain. L'offre formule, qui travaille, il fait. Donc, il faut une interrogation perpétuelle sur ce qu'on a fait ou même, soit bail comme formation, soit fait comme recherche. Et pour être capable de pertinence dans ce qu'on a fait, il faut écouter la RIA, il faut à l'écoute de la société. Donc, il faut ouvert. Et il n'y a pas qu'à souvent, doit importer les questions. Ou importer programme de formation, importer modèle de formation, ou même souvent, ou importer des problématiques de recherche. Parce qu'on ne pas faire recherche sur des problèmes qui génèrent là, comme c'est des problèmes que le partenaire étranger a venu à partir de sa perception de la réalité haïtienne, et puis il dit, mais ça me donne chercher, il prend comme assaut ses compagnons, tomber à chercher. Non. Il faut nous avoir un regard sur la société noire nous-mêmes. Il faut nous apprendre, et je crois que l'on a dit ça en pile, intervenant, notamment Gérald Chéri, qui était juste en pile débat sur ça, faut nous apprendre à créer un savoir propre sur nous-mêmes haïtiens. Faut nous apprendre à produire des connaissances propres sur la société noire. Et faut nous apprendre à garder tête nous-mêmes, à travers nous-mêmes, à travers ce qu'on a dit, à travers ce qu'on a conçu comme réponse, à travers ce qu'on a conçu comme savoir, et non pas à travers le regard de l'autre. Parce que le regard de l'autre, pas indulgent, non, pour, à cause de l'histoire, tout un calé débat qui passait dans. Depuis deux siècles, le regard de l'autre pas fort cadeau. Donc, il faut développer capacité pour produire un regard propre. Nous-mêmes, haïtiens, il faut garder tête, nous, qui nous nouillons, ça nous est, ça nous présente. Mais il faut faire sans indulgence, il faut faire avec une pensée critique extrêmement rigoureuse. Et c'est ça qui va permettre de trouver une solution. Même parce que c'est où nous. Nous avons cherché à joindre plus pertinence dans ce que nous avons fait comme université. Et pour nous faire, il faut zorer nous l'ouvrir, il faut gérer nous l'ouvrir par rapport à des problèmes qui préoccupent les Haïtiens aujourd'hui. Nous n'avons pas de ressources pour faire. Parce que ouais, peut-être la recherche universitaire, ce n'est pas une université qui finance.
en général, c'est les pouvoirs publics ou de grandes fondations ou de grandes entreprises. Malheureusement, bon, nous ne pouvons pas pour ça dans le pays. On n'a pas besoin de financement de la recherche. Même l'université, l'État, on n'a pas besoin de difficultés pour jouer de financement pour des travaux de recherche de la part de l'État. Aller ouais, pour une université privée. Alors qu'ailleurs, partout au monde, aux États-Unis, au Canada, en France et en Amérique latine, on après, plusieurs les travaux de recherche sont financés par les pouvoirs publics. Oui, et que tu es fait dans le public ou dans le privé. Par l'université, tout ça, recherche. Et c'est dommage que la bon, réalité n'est pas nous, c'est ça lié. Maintenant, la fin de toute intervention, ça, qui ça nous dit tête, nous? Est-ce que nous devons dépister la corruption, je veux dire, en Haïti? Bon, ça nous a, ça m'a dit comme leçon. Pas bien, nous sommes, c'est une activité occulte. La cacher, les comptes comment pour le cacher, les spécialistes de la corruption, ils comptent comment l'institution fonctionne. Il y a une loi, il y a un règlement. Bon, quand on a l'autre bagaille, il y a un choqué. Pour ça, il y a un pile de Zabel comme ça dans le pays. Pour ça, il y a un pile d'avocats comme ça. Il y a en 2015, nous avons fait une investigation. Nous avons regardé sur 29 000 étudiants dans l'université d'État d'Haïti, dans la plus grande université du pays, il y a 17 000 qui ont étudié le droit. Ah bon? Pour ça, tout le monde veut avocat. Mais parce que, bon, tout le monde a cherché un genre, et avocat, il ne faut pas faire attention. Il y a un droit, puis gros élément de gêne pour une société en termes de empêcher moderniser, empêcher jouer un système de fonctionnement optimal dans la rigueur parce que l'icône mécanique tout et si le service de la corruption là comme comment pour passer en bas toute procédure tout règlement pour contourner et c'est ça la faute et ça sont forcés, il faut pas sous-estimer ça. Donc il n'est pas que nous capable dit c'est que l'État met en place plusieurs institutions spécialisées et on peut concentrer sur une période déterminée. C'est pendant les décennies 2001-2010 que UCREF, qui sont centrales de renseignement financier, que ULCC, qui sont machines de lutte contre la corruption, que la CNMP en 2009, c'est dans l'espace ça que toute institution a installé avec une finalité particulière de bonne gouvernance, de souci de bonne gouvernance donc, et de réduire l'effet de la corruption sur les activités économiques, mais l'effet tout dans le contexte, on est capable de dire presque d'importation. Pour quelle raison? Ce n'est pas, c'est pas une réponse intrinsèque à partir d'une analyse interne de problème. Nous, c'est parce qu'on a un contexte mondial. On connaît 2001, c'est plus une activité terroriste qui était faite aux États-Unis. Donc, on commence par préoccuper de comment l'argent circulait dans le monde. Hein? Et l'argent des comptes circulait pour blanchiment à travers le trafic illicite de la drogue, mais qu'il y a un terrorisme caché derrière tout, donc il faut dépister. Donc il y a plus grande attention à qui dispositif de lutte les États mettent en place. Et pendant que l'État moderne qui expose la terrorisme a fait ça, il faut l'assurer que l'autre petit pays autour va représenter une zone fragile, un maillon faible de la chaîne. Donc Haïti ne recevra pas de pression, mais en pile incitation pour mettre en place des institutions ou des mécanismes de réponse appropriés à la question ça, pour capable traquer la question blanchiment d'argent, pour capable traquer l'argent terroriste, l'argent drogue, etc. Et ce faisant, réduire le phénomène de corruption. Donc c'est dans ce sens que les institutions ont été en place. Ils ont été en place souvent, comme ils ne correspondent pas à une analyse interne, une réflexion interne, la reconnaissance des besoins propres, ou mettez-le là, et vous quittez la pépinée. Ou pas de ressources suffisantes qu'il est nécessaire pour le fonctionner de manière optimale, et ou pas pour énergie de production, de réalisation, d'efficacité, donc ou pas peut-être interroger sur efficacité réponse ça. Ça me paraît une leçon qui est importante, et ou pas dans cet cas tout même architecture juridique là fragile, choix que vous ferez pour comment dirais-je organiser une institution de telle manière, bal telle mission. Rattaché à tel ministère, bal telle capacité, ou après limite. Yo. Donc, ça c'est important pour rendre nous compte. Donc, limite n'a pas seulement dépendre de fonctionnement, moun yo, de comportement, yo, de comment dirais-je, de fragilité yo, par rapport à ce qu'on appelle le lien relationnel. Ça c'est important tout, parce que la corruption, ou besoin moun pas, ou besoin moun caché pour vous. Mais, institution fragile tout. Et ça c'est un phénomène important. Pour tout le monde, parce que vous dites, malgré une présence aujourd'hui à l'UNCC, UCREF, bon, marché de commission nationale, marché public, ou gagner, bon, coup super des comptes,
ça pas empêcher Haïti toujours faire problème par rapport à la bataille contre corruption. Et vous avez cité le président de la République dédié pas trop longtemps, et cinq problèmes. Corruption, 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 corruption. Est-ce que dans le niveau colloque, là, nous avons qui ça fait jeudi, malgré le mettre campé ensemble des décisions, mais ne pas arriver vraiment qu'à combattre le phénomène, ça, monsieur Jacques Limac. Très bien. Bon, alors, pour le pays aux États-Unis, par exemple, c'est ajouté à Tabdinou. Il n'y a pas d'équivalent institution, ça. Système judiciaire, là, fonctionner par réponse, là. Juge qui devine, il n'y a pas d'un outil spécial, même j'ai le CC. Mais l'appareil judiciaire fonctionne. Ouais, question posée, il faut poser sous l'angle de la gouvernance globale. Parce que, et lors de la gouvernance globale, il y a au moins trois bagages pour garder. Il faut garder la politique publique, politique économique en général. C'est-à-dire que comment l'autorité en place, yo, pour du politique économique, pour faire deux bagages au moins, deux bagages essentiels. Comment pour créer richesse pour être capable de plus bien-être et comment pour partager richesse dans la société. Ça, c'est le premier élément pour répondre. Deuxième bagage pour répondre qui est encore bien, aussi important, c'est qui architecture juridico-légale, cadre légal réglementaire, loi, institution, disposition réglementaire qu'on prend pour capable faire la société fonctionner de manière harmonieuse. Et puis, troisième bagage, le plus important, ses capacités pour appliquer la loi. OK. On gouvernance politique d'un pays doit occuper de trois bagages comme minimum. Et c'est un peu responsabilité de dire est-ce que ensemble de trois dimensions ça qui est en place là travaille à l'optimum, fait ça au lieu pour faire préoccupé de ça pour faire. Et une leçon que nous prenons effectivement il m'a dit prendre loi ou faire loi. Par exemple, loi sur blanchiment d'argent, ou après son loi qui a voté, trappe 2. Trappe 2, ça veut dire qu'il y a une pression externe pour voter loi. Il peut répondre peut-être à une perception de besoin interne pour voter loi. Mais comme pour d'autres lois, vous votez. Ou chita sur lui, personne ne va pas appliquer, mais pendant que vous appliquez, personne ne va rendre compte pour ne pas appliquer. Okay? Donc, bah, c'est ça, c'est une, qui est important, la question de la gouvernance globale de notre société. Et puis, deuxième, bah, talon d'Achille. Et bataille contre corruption, c'est le fonctionnement du système judiciaire ici. Un système, d'abord, qui dit même soumis à la corruption. Hein? On ne va pas parler de corruption dans différents secteurs, non? Mais soit pas les corruptions dans différents secteurs, dans l'économie, dans le secteur privé, dans la police, etc. Mais on va regarder la corruption dans le système judiciaire lui-même. C'est-à-dire que le magistrat qui l'a pour placer, pour dire le mot du droit et travailler à l'application du mot du droit, monsieur la machine corruption, et ça sont des choses qui gravent dans la société. Donc, le talon d'Achille de la bataille contre la corruption en Haïti, c'est le fonctionnement du système judiciaire haïtien. C'est son incapacité à punir l'infraction et son incapacité à poursuivre les voleurs jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas précarité à tout qui fait ça? Bon, précarité, vous acceptez de faire des bagailles, vous acceptez de faire dans les conditions négociées, voulues. Sinon, faire leur bagaille, vous êtes obligé. Magistrat, vous êtes obligé juge, vous êtes obligé avocat. Vous comprenez? Une fois qu'on fait, c'est une négociation qu'on fait, ou même avec la société, on nous dit, mais si ça me choisit comme carrière, si ça me choisit comme rôle que je bats dans la société, eh bien, je ne suis pas capable de faire, quitter, faire le bagage. Personne ne m'a demandé au juge, personne ne m'a demandé au magistrat. Et, donc c'est pour ça que je me dis, mettez responsabilité sur la question de la gouvernance. Et pendant que le président veut lutter contre la corruption, mais il y a une responsabilité que le gain et tout, c'est demander aux institutions ça au compte. C'est demander au compte. Demander coup supérieur des comptes sur ce qu'elle a fait. Et là, on a demandé compte, là, plusieurs fois, on a interrogé. On a interrogé l'efficacité de réponse que coup des comptes baillent face à un problème. Mais soit prendre compte que les réponses ne sont pas efficaces, il faut tacler cause ça. Est-ce que c'est comportement fautif, acteur qui est responsable? Ou bien est-ce que c'est ressources qui sont suffisantes à leur disposition? Ou bien est-ce que c'est dans l'organisation et l'institution lui-même? C'est loi qui n'est pas bon. Parce que coup des comptes, vous demandez le fait de bail, par exemple. Vous demandez à la fois pour un tribunal administratif et puis vous demandez pour un coup des comptes. Deux fonctions complètement différentes qui sont séparées dans la société. Est-ce que c'est parce que deux fonctions, ça vaut trois pour lui? Est-ce qu'il ne faut pas segmenter? Donc c'est pour ça que je me dis que quelque part, il faut gouvernance et politique et PIA emparer de questions ça de manière systémique. Garder chaque dispositif ça en détail, garder tout aspect organisation,
aspect assise légale réglementaire li sous qui loi chita sous qui règlement fondé est-ce que y a approprié aspect ressources à disposition et puis aspect fonctionnement aspect efficacité réponse donc faut observer faut bal mandat clair faut évaluer et souvent faut trancher faut sanctionner c'est ça alors on a toujours regardé cause mais dans la société tout professeur du map côté gain toute disparité ça côté richesse ça pas bien réparti. Et est-ce que lutte contre la corruption lui paraît évident par rapport à ça nous est là parce que là nous connaissons bonne volonté pas forcément mal dans le marché. Eh bien c'est pour ça même faut pas gagner corruption. Corruption veut dire qui ça? Livre dit que comme tout à l'heure c'est pas tout le monde qui est dans la corruption. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle la grande corruption et la petite corruption aussi ou après il y en a quelques qui met accent sur la corruption au niveau des ménages. Il y a 2 300 000 ménages dans la société qui sont obligés de dégager parce qu'on n'a pas le service. Pour mettre un petit monde dans le lycée, il faut négocier. Ok, mettre un petit monde dans le lycée. Bon, il y a des petites sections communales à regarder. Est-ce qu'on dit que la justice est qui négocie au dernier et plus offrant en chérisseur? C'est comme un petit marché Wall Street. Elle dit qu'il y a négocié avant. C'est ça qui est plus. Qui jouent une justice, sont négociations que liées. Donc, les ménages sont exposés à des petits actes de corruption pour se tirer d'affaires, pour jouer une réponse. Okay? Ou quand une entreprise, lorsque les procédures sont complexes, par exemple, pour dédouaner nos marchandises, peut-être si vous complexifiez les procédures-là au maximum, pour rendre coûteux pour de faire opération selon les règles ordinaires, M. Peter passe en bataille, font négociation. Les gens ont bypass, ont raccourci, qui coûtait, etc. Okay. Mais c'est parce que la corruption profite à un petit groupe de monde qui, à cause d'un comportement illégal, ramasse des fortunes considérables dans un pays qui est pauvre. C'est pour ça qu'il est inacceptable. C'est pour ça qu'ils sont choqués. Aujourd'hui, il y a 2 500 000 Haïtiens qui vivent à moins de 80 gouttes par jour. 2 500 000. Il y a à peu près 6 millions qui vivent à autour de plus petit que 160 gouttes chaque jour. Bon, comment on peut mettre chaudière dans du feu? 6 millions haïtiens sur 11 millions que nous avons vivent à moins de 156 gouttes, 160 gouttes chaque jour. Ou pas qu'à mettre chaudière dans du feu? Par conséquent, sont insultes liées au quotidien pour gagner toute pauvreté ça dans la société, toute précarité ça. Toute difficulté qu'on a majorité des populations, et puis pour accepter que c'est quelques hommes, c'est quelques, corruption, c'est pas on va généraliser, non, c'est quelques hommes qui dans le secteur privé, hein, c'est quelques hommes qui dans le secteur politique, là, qui organisent pour dire, bon, monsieur, petit pays, ça, ressources, ça, m'a organisé ma belle. M'a prends, ça m'a prends au maximum. Au détriment des autres. Hein? Oui, mais c'est ça, c'est pour ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Donc, faut, et si travail chercheur, là, j'étais lumière dans le sens pour rendre mon dieu plus éveillé sous ça, rendre mon dieu beaucoup plus aguerri en termes de réponse qu'on peut bail. La bonne chose, oui, parce que, bah, dit, pas mon pays côté mon cap dirigé, pas t'en amener la corruption, parce que c'est tellement permettre un enrichissement rapide, pas faire pile effort, c'est facile à faire. Mais pourquoi ça va pas faire? Parce que la société met un paquet interdit sur vous. Il y a des balises. Mais des balises, mais des interdits, vous ne pouvez pas payer pour ça. Oui, premier ministre israélien Netanyahou, monsieur Nachal, là, parce que chef de la police, là, Alder, monsieur, pour le demander, pour corruption, pour nous dire ça, parce que monsieur a accepté quelques caisses champagne comme cadeau dans mon ami secteur privé, parce que monsieur a accepté voyager avec un billet d'avion que on est secteur privé fait le cadeau. Ce n'est pas plutôt Caraïbes, non? Mais ça, monsieur, tiba, ça seulement. Donc, c'est parce que la société a suffisamment organisé. Il faut que les gens qui sont dans le secteur civil, les citoyens, refusent l'acceptation de la corruption comme étant un fait banal, un fait accompli. Côté là, il y a une équipe d'haïtiens, une équipe de citoyens, mandat pour diriger le pays, ou pas un mandat pour disposer de ressources pays comme un bien propre, comme un bien familial, pour vous-même, amis, frères, soeurs, madame, petites amis, partisans. Non. Il faut qu'on interdit que la société mette pour stopper ça. Et de telle sorte que même si le pouvoir public n'a pas une volonté spontanée pour faire, ou obligé de le faire. Parce qu'on prie à payer. Je ne vais pas aller tout garder l'aspect éducation, parce que ce société tout qui apprend nous dégager, pas pécher.
Son gen la, se pon ba e spontané, son konstruksyon. Ti moun yo apren yo le al nan examen, e sou baz ki ap pataje, ou bien ap kompare, yo ka triche. E li nou ba normal, jo di ya, ou el nan televizyon apren examen ofisyel, ti moun ap do sivye an te dil pat ki te mfel. Lò, vin tou nou ba e normal, e le ti moun sa vini me demen nan de poste de responsabilite, li kon wè ke l pa, e pa de tro difisil pou l fè, sa l pa dwe fè. Fou remen nan sak pa pou li. L'autre bagage encore, c'est même mon sac dans ce stade. Il y a des professeurs qui m'ont dans le poste public. Je ne sais pas pour une longue machine. Je ne sais pas pour rien. Alors, c'est même si c'était ça, qui parfois très clément et qui, ou t'as comme impression qu'il n'y a pas courage de faire des autres. Est-ce qu'on peut regarder l'aspect ça tout? Ok. Bien qu'on t'en parle de l'aspect éducation, mais éduquer un peuple, ce n'est pas mettre de l'école pour pas prendre des liens, pour pas le conseil, pour faire instruction civique, non? Éduquer un peuple, c'est l'exemple d'abord, c'est le modèle d'abord. Ouais, ouais, même regarde comment l'État gaspille, même qu'on n'a pas quelques fonctionnaires de l'État qui compétent, qui qualifié, qui digne, qui a résisté à la corruption, ça existe, ok. Mais souvent, moun sa conseil de résistance, si autour de vous-même qui n'en on poste donné, quand on gagne tentation, opportunité pour faire corruption, et vous regardez autour de toi, au-dessus de toi, tout le monde se sert royalement. On regarde les gens qui sont députés, sénateurs, les gens qui sont ministres, les gens qui sont directeurs sous tête, en trappe de deux temps, trois mouvements, monsieur changer vie radicalement, monsieur qui est en plusieurs cas, les comptes à l'étranger, petit monde qui vivent l'autre bord, etc. Ceux de résistance ou faibli, et puis ou entrer là-dedans ne sont pas connus. Et peut-être qu'on entre là-dedans pour protéger tête. Donc, moi, je dis, donc le meilleur moyen d'éducation d'une population, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Et c'est la. C'est la manière dont les institutions publiques traitent l'infraction. Si dans le système national, chaque temps, on tire l'école, ou est-ce qu'il y a été barré un tel dans le volet, et puis, ouais, monsieur, non, l'autre poste, même volet, ça reparaît sur l'autre poste, et monsieur a parlé en grandiloquant encore, qui se balle comme exemple. Mais l'éducation, pour dire, c'est que, ah, un système judiciaire qui a son infraction connue, monsieur passé devant la justice, la peine correspond à niveau infraction monsieur fait là. Et monsieur, quel que soit le rang de la société, quel que soit le gros zouzou dans le secteur privé, quel que soit le grand dignitaire de l'État, monsieur parle en pénitentiaire nationale, l'a fait tant de pour le faire, même j'ai activé les cabrites là. C'est ça que lui. Souvent, vous faites prison pour tivoler les cabrites, pour tivoler les malheureux, qui pourquoi même juger, qui passe plus que temps qui t'a correspondu à la peine en prison. Et puis, pas de place pour les qui fait grande infraction. Je vous dis que le talon d'Achille du système de défense contre la corruption, c'est dans la mécanique juridique, c'est dans la mécanique système judiciaire. Et dans ce sens-là, je me dis c'est encore une responsabilité de la gouvernance de descendre dans le chantier, de descendre dans l'arène, de prendre le taureau par les cornes, de demander compte et d'appliquer les sanctions exemplaires qui sont. L'exemple d'une sanction est beaucoup plus parlant pour moi qu'une éducation. Que n'importe qui l'autre discours qu'a fait. Alors, on ne peut pas le faire. Institution civique, Timon m'a dit il faut, il ne faut pas. Et puis, il a regardé dans la société autour de lui, tout modèle que l'a pris, c'est le contre-exemple de ce qu'on a dit là, l'a ridiculisé. Donc, l'éducation commence par l'exemple que les pouvoirs publics peuvent tracer chaque fois que le monde a une infraction. Et là, on a demandé tout en société civile qui comprend le rôle lui et qui joue le rôle lui tout. Donc, ça. Moi, si elle fait ça, le capable. Moi, c'est ça. Moi, c'est pas ça le capable. Moi, la société civile a fait accomplice. Bon, moi, ouais, la vulnérable tout. Même j'ai toute l'autre fois, les vulnérables. Mais je regarde des pile problèmes qui sont dans la société. Si je n'ai pas de société civile là, qui te mette sous ta bière ou ta boule, non. Et le fait que le grand problème est déjà transparent, sont gros questions réglées là. Parce que la transparence, c'est limite la corruption. C'est pour ça que je me fais binôme transparence et corruption. La transparence, c'est l'ennemi de la corruption. Parce que la corruption qu'on a installée, ils ne sont pas connus. Bon, corruption, combien de baguettes on a fait dans le colloque là? Parce qu'en deux jours, on ne peut pas appréhender tout aspect, nous faisons un premier petit pas. Okay? Nous comptons de l'autre côté, nous ne pas le fouiller toujours. Mais maintenant, gestion budgétaire nationale, autre. Où est-ce qu'on a un espace de corruption extrêmement bien installé, puissant, qu'on ne peut pas attaquer, mais que personne ne peut pas ouais. Vous comprenez? J'en fais allocation ressources. Dans la société. Privilège exorbitant qu'on a ces acteurs dans la société. Ça, c'est des débats qui encouragent la corruption. Donc, ce n'est pas qu'à l'éducation seulement. Donc, Wall Street et civil, là, le fait que le dévoiler ça, mettre l'accent sous lui, fait qu'à un certain moment, on parle de mobilisation dans le secteur citoyen qui parle fait que
j'en ai dit, il y a une balise qui mettait qu'on pas qu'à faire malgré volonté ou d'agir pour faire. Parce que ça fait tout ça, il y a des tables de la République dominicaine, on marche qui est faite contre la corruption, il y a le défait aux 7, pas qu'il y ait trop longtemps des initiatives consacrées du print. Mais ça n'a pas marché. On va avoir comme impression que les gens ne pas ça avec l'un pour eux, ou bien comprendre ou pas comprendre qui est pas que ça vient sous la vie petite. Et sous la vie génération Kabini, c'est une bataille contre le phénomène ça. Oui. Bon, oui, Kabini Dominicaine, c'est moi qui fais spontanément, non? C'est, d'après ça, ma bonne, c'est plus de 12 ans de préparation, de discussion, de débat. De... C'est pour un phénomène spontané, comme ça, où les gens ont levé, comme ça, non? Ah, il s'est fait petit premier, c'est ça. Bon. À niveau que lié, même pas penser faut décourager à ça, non. Au contraire, et ça vous fait son bon point. Il est beaucoup bon, mais prochaine fois, là, mieux. Ça n'a pas fait là, dans l'université, il est bon. Ça a un DDH à faire, il est très bon. Ça connaît, on a fait un bon lot, j'y ça a fait bon, ou besoin. Ouais, au moins qu'il y a un pouvoir public, soit regarder mon dirigeant. Premier allié, c'est mon ça. C'est mon qui n'a société civile. C'est l'université qui a critiqué l'État, qui a critiqué le gouvernement, qui a taclé tous les mauvais comportements, qui a préoccupé de est-ce que tout ça qu'a fait comme décision dans l'État a fait en fonction du bien public ou en fonction de l'intérêt privé. Pour quelle raison? Parce que on chef d'État, par exemple, premier ennemi dans la lutte de la corruption, ce n'est pas en face du qu'il y a, c'est pas autour qu'il y a. C'est dans l'environnement de proximité, c'est dans l'hôpital. Parce que moi, je suis en paro déjà. Je connais. Vulnérabilité ou, comme chef d'État par rapport à ça. Vous pouvez mettre un filet de sécurité pour réduire la marge de manœuvre. Donc, l'on a toute force sociétale, ça, ou, secteur privé à tout, malgré ces générateurs de corruption. Mais ce n'est pas tout. Il y a un qui dans même à la fête selon les règles du jeu, parce qu'il y a plus efficace, plus compétitif. L'on a allé dans le secteur privé, dans la société civile, dans le secteur universitaire, parmi la jeunesse, mais c'est plus grand force, on dirigeant, qui a compté sur lui. Pour lutter contre la corruption, parce que pas qu'à faire pour contre lui, à partir du seul lieu des pouvoirs publics, de petits dispositifs, lois, institutions, règlements que regardent, parce que la machine a déjà contaminé dans l'entour lui. Maintenant, ancien Premier ministre qui était dans le colloque là, qui ça a dit, qui ça a été gros problème, qui ça a été fait que, malgré toute volonté, peut-être que tu as gagné, mais la réalité a été saliée. Bon, même pas c'est abordé là avec un peu de timidité. Ok, donc les gens étaient sous soif, mais. Et je peux comprendre ça parce que la corruption, comme ce phénomène occulte, caché, et monsieur, il faut qu'on ait un pile corrompu, il faut qu'on ait un pile corrupteur. C'est pas là où on parle d'il. Et il faut qu'on ait que son sujet dangereux. Parce que, où j'aime enquête, et nous-mêmes journalistes, bon, pour ça, pas une investigation sur la corruption. Nous avons un mode de même, nous faisons un très simple, nous proposons Salomon, ou nous disons 200 cloches, intelligent mot. Il fait compte d'égal, et pour chercher un deuxième son de cloche, il dit salve, il fait compte d'égal tout, et puis personne ne va trancher. Vous pensez que c'est ça qui travaille? Non. Bon, vous comprenez pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'on peut. L'opinion a géré ça? Oui, bon, c'est, vous comprenez, on ne pas faire travail d'enquête, on ne pas faire travail d'investigation, parce que c'est dangereux. Même si j'ai gassé, moi, j'étais même là, j'avais, il est mort, il était dans le quartier ensemble. Mon jeune petit journaliste, 21 ans, début 21 ans, qui a fait une enquête sur Minoterie, qui a dévoilé, pour pas changer, monsieur. Donc depuis les ans, c'est nous toutes dans la profession, on vit une pentade. Mais nous commençons à prendre nous compte, on ne peut pas être pentade à vie, non. Parce que l'heure, il faut prendre risque de parce que la société a menacé, les menacés pour vous-même, mais pour une petite porte, oui. Parce que on ne peut pas comme un parent, on fait choix de vie, on peut éduquer les gens, selon une vision du monde. On sait le système de valeurs qu'on a là-dedans. Et pour regarder la société a fonctionné à compte courant, de tout ce qui est dit, la CAO, dans le cadre familial. Et pour confier l'école, on connaît l'école là tout pour l'exposer à tout ce qui est fait dans la société. Là. Donc, on a codé en bord, la société a décodé en l'autre bord. Donc, c'est un danger pour nous comme citoyens, pour accepter bah, ça. Donc, moi, c'est que son lutte qui parle concerner l'ensemble des Haïtiens de la société qui concernait par le rêve, le désir d'avoir un pays qu'on choisit vivre, qui doit finalement fonctionner normal, parce que pas grand quelle raison. Pour que la majorité d'hommes de ça accepteraient de dormir à vie sous oreille pour l'accepter que ce sont une petite minorité qui décidait d'emparer de biens publics, là, de l'espace public, là, et puis pour faire salver avec les ressources nationales. Et ça, c'est pas soit changement, ça va le faire, ce n'est pas bon cadeau, nous, des dirigeants, ce n'est pas bon cadeau présidentiel, non, il faut que ce soit une conquête sociétale. C'est une bataille qui doit être faite dans la société, là, mobilisation jeune, universitaire, secteur privé, société civile,
avec alliance pouvoir public qui désire des changements réels, qui fait coalition ça. Donc c'est pour ça, ça ne fait là, ouais, modèle colloquial même son modèle qui fait selon coalition d'acteurs. Nous pas fait le compte pouvoir public, nous pas fait le compte gouvernement, nous fait avec gouvernement. C'est pour ça nous dit, ouais, président de la République, pendant de lutter contre corruption, c'est pas contre Aïlon, c'est Edel, c'est Baljaret, c'est prendre le mot, c'est fait que j'aime te dire, c'est à fait que le réussit malgré lui. Même si il y a une force adverse dans l'orbite, dans la proximité, qui a compte courant de ça l'affaire, mais c'est Baljaret, parce que s'il fait, il tout fait, il tout bon, bon, même pour l'opposition, même pour un parti d'opposition qui a lutté contre le gouvernement, je suis un chef d'État qui dit lutter contre la corruption, mais c'est Baljaret pour faire ça, c'est Edel. Parce que si M. Fell, M. prend un pile risque pour eux-mêmes. Donc, autrement dit, ils sont ennuis de moins que le quitter pour ce gain pour remplacer l'un jour. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est dans ce sens-là, je dis, il y a des questions qui sont des questions de société. Ou pas, pas qu'à quitter le gouvernement seul. Ou pas qu'à prendre chance que le gouvernement traite pour l'échouer là-dedans parce que le prix à payer est élevé et pour tout le monde. Il y en a qui ont assez fait société appropriée le bas là. Peut-être ça qui mais c'est là. Grâce à eux-mêmes journalistes. Ce qu'on fait là, ça n'a fait là. Ça ne fait dans le colloque là. C'est pour ça que dans le colloque là, nous décidons, nous ne pas prêter là. Le colloque là, pour nous, c'est un prétexte pour nous créer un chantier de travail. Pour qui ça? Parce que je travaille sur la préparation du colloque, je commence par chercher tous les chercheurs haïtiens qui travaillent sur la corruption. Par exemple, ils ont. Par exemple, ils ont chercheurs qui prennent thème corruption comme thème d'études. Moi, j'ai des mémoires d'étudiants, moi, j'ai des thèses de doctorat. Bah, j'ai des publications faites sur ça. Avec l'université? Non, ici? Parce que les Slipéens, bon, qui est à l'étranger, malheureusement, qui capte sur la corruption, qui traque les questions depuis l'indépendance du pays. Pour tout aspect historique, l'aspect culturel, l'aspect économique, l'aspect social, il y a un producteur le plus prolifique, c'est pour ça que d'inviter monsieur. Mais il faut nous créer dans l'université haïtienne hein, une capacité de recherche sur la question de corruption. Il faut me faire tout un objet de recherche. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, son chantier, je vais le prendre. Mettez moun sous lui, va mettre des jeunes sous lui, va mettre des chercheurs sous lui, va faire des moun qui spécialisent de questions, va le traquer. Pour que ça passe, j'aime d'où là, le premier ennemi de la corruption, c'est la transparence. De vous dévoiler, de vous retirer voile là sous lui, son phosphène noir lié, de vous retirer voile là sous lui, pas qu'à fonctionner même gens encore. Donc, il faut un objet de recherche. Deuxièmement, ouais, nous faisons coalition d'acteurs, journalistes bon côté nous, les médias, secteur privé bon côté nous, société civile bon côté nous, gouvernement, pouvoir public bon côté nous. Son coalition d'acteurs pour nous faire. Et me dit peut-être un jour, dans un main, que m'envisager que Haïti a mis en place un outil qui n'est pas forcément dans le gouvernement, l'observatoire de lutte contre la corruption et de la transparence. Pour quelle raison? Parce qu'il faut nous prendre question nous-mêmes dans la main pour ne pas. Tout ça n'a dit, n'a pas répété sous corruption, nous répéter en fonction de ça étranger à dire sur nous. Pour l'instant, seul type qui guide la palais de corruption n'a prend sa Transparency International. Transparency International, c'est une ONG qui est basée en Allemagne, qui publie 3 rapports dans le monde. Mais malheureusement, c'est un seul rapport qu'on connaît, c'est ça. Il publie un agenda, pas sur thème, non, un agenda global de corruption, qui sont un sondage qu'il fait à l'échelle mondiale. Il publie un index sur les exportateurs, il prend 22 pays exportateurs. Les plus grands exportateurs dans le monde, parce que là, tous, pour qu'ils conquêtent des marchés dans le tiers monde, il y a des grandes multinationales qui ont acheté ministres, qui ont acheté premiers ministres, donc ce sont des espaces de corruption. Et puis, ce qui est plus connu en Haïti, c'est ça, les indices de perception de la corruption. Ce sont des indices que le fait de quelle manière? Ce sont des indices que le fait sur une échelle de 0 à 100. 0 plus ou plus 0 plus ou plus corrompu. 100 plus ou bon. Il fait un indice là à partir de sondages. Il prend un échantillon de monde qui m'en prend, il prend un avocat, il prend un businessman, il prend un secteur privé, il pose des questions sur ça où il y a comme représentation de personnes de la corruption. Et puis, il fabrique un indice. C'est pour ça qu'il met Haïti, Haïti, quoi, Haïti, 157e sur 180 pays que classé. Ou loin, avec une note de 22 sur 100. Pays que il prend, ou après que il prend Nouvelle-Zélande, number one. 89 sous 100, Finlande, Norvège, et Suisse parmi les 5 premiers. Et Scandinavie. Pourquoi vous avez bien tout, hein? Effectivement. Donc, alors, même si il y a une réserve par rapport à l'indice là. Il y a une réserve. Mm-hmm. Comme tout indice chargé limite là-dedans. Premier limite, d'abord, sont indices composés, sont agrégats. C'est plusieurs barres qui mettent l'ensemble des bons indices.
Donc, il dit ça, son synthèse de plusieurs facteurs. Deuxièmement, méthodologie a changé chaque année. Il se change échantillon chaque année. Donc, si par exemple, année ça, où tu es 157e, année suivante, où tu es 160e, l'Ibral dit que Haïti fait bac, mais pas forcément. Il y a un paquet de décisions que les pouvoirs publics prennent qui ont amélioration dans la réponse sur la lutte contre la corruption. Mais que l'échantillon n'a pas saisi. Donc, on ne peut pas apprendre comme étant. C'est pour ça que je dis il est important que Haïti développe des propres outils d'analyse, de compréhension, de phénomènes, parce que c'est nous-mêmes l'affecté. C'est qualité de vie, pas nous, que le met en cause. C'est richesse PA que le met en cause. C'est capacité pour l'État faire face à besoin de base population que le met en cause. C'est insulte au quotidien que le président est pour les pauvres. Donc, nous besoin en compréhension propre. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être. On a le conçu, peut-être non pas des indices de perception, mais on fait des enquêtes. On dit sa réalité à elle. On fait des enquêtes sectorielles, parce qu'on a besoin de corruption dans tous les secteurs, dans le secteur privé, dans la police, dans la justice, dans la douane, dans la DGI, dans l'université, dans l'éducation en général. Donc, dans différents secteurs, et dans tous les départements. Pas moi, c'est que son phénomène. Corruption, d'autant plus important qu'il y a une ressource qu'il a. Mais on a besoin de plusieurs étages. Donc, il faut aller dans le département ou dans la commune. Donc, l'idée, c'est à bâtir un réseau d'acteurs, qu'on soit un réseau d'acteurs, ce modèle non coalition d'acteurs, aller développer capacité, faire des enquêtes sectorielles pour mesurer, pour avoir des data, des données, des faits, et parfois de la perception, si vous voulez. Mais il faut construire un discours propre, un discours haïtien. C'est haïtien qui peut garder tête eux-mêmes, qui peut dire ça nous y est, mais sans indulgence, ouais. Sans pas faire tête ou cadeau. Et c'est comme ça qu'on peut prendre connaissance de ce qui est comme problème, comme limite, comme difficulté, et pour après, chaîne réponse là pour sortir spontanément dans la société. Oui, parce que là, et puis on dit à sans indulgence, c'est le principe au cap mené. Parce qu'il faut avoir comme impression, et pour ce Lumac, ah, comme si monsieur est pas moins, on a cassé fait couvrir ça, monsieur va pas moins, m'a casé, m'a fourni. Et puis il ne fait que bah, là, nous tournons en bas clan. Chaque monde a essayé de défendre un petit groupe par eux, un petit clan par eux, et puis au final, le problème n'est rétentier. C'est vrai. Alors, je ne connais pas par rapport avec l'élément ça, si dans le niveau colloque, il y a des idées comme ça que tu as gardé. Très bien, bonne question. Bon côté, nous analyser le thème corruption, pouvoir et relationnel. Ok. Ok. La culture du relationnel en Haïti, ils ne sont pas négligés. Ok. Et même dans la partie politique, ce qui fait l'adhésion de groupes politiques, rassemblement, ou après souvent, ce n'est pas doctrine, non. Ce n'est pas un corps de doctrine, non. Ce n'est pas une pensée politique en termes de qui vision gagne sous société, hein? Comment on aime organiser les ressources en fonction de qui objectif. Ce n'est pas ça qu'on fait ensemble ou pas ensemble. C'est le lien relationnel. Je sais mon bam. Et même j'ai dans le système judiciaire, ou après que je ne pas poursuivre un tel parce que c'est mon nous. Ou après, bon. Il y a des rapports qui sont de bas lui à des grands procès. Mais si c'est mon pam, il y a un rapport. Et c'est, ça, c'est la vie dangereuse, il fragilise l'institution, il fragilise l'État. Parce qu'on n'a pas qu'à quitter l'arme juridique tournée entre les mains du politique. Même si on compte fiscalité, vinon arme politique. Fiscalité, c'est un devoir pour les citoyens réguliers, faut universel. On n'a pas qu'à soumettre un audit. Et exemplaire, rigoureux, sans faille, poursuivre ou harceler fiscalement parce que vous critiquez le gouvernement, ou contre le gouvernement, et puis en même temps, nèg ka fait des gars, beaucoup de là, qui pas payé un centième de salaire de paye fiscal, mais c'est sous protection. Ok? Donc, le lien relationnel, c'est un bail qui est important dans ce cas. C'est pour ça que vous pouvez, bon, même formation, gouvernement, pour que ça leur choisisse un premier ministre. Ce n'est pas négociation faite avec des partis politiques. Mais on fait négociation avec des groupes ad hoc qui constituent en des groupes de pression, de discussion, pour discuter contrepartie quoi, des avantages. Pour ça, un groupe parlementaire doit dire, bon, il faut bâmer tel ministère, il faut bâmer APN, il faut bâmer EAN. Mais ONA, pour faire qui ça? Pour ça, m'a là. La pour faire avec, soit chercher. Quand je vais le servir. Bon, on parle de partage de responsabilité. Oui, donc c'est pour ça que je me dis que tout ça, c'est le lien relationnel qui définit les décisions et les comportements. Il faut casser ça. Et ça, ce sont pas des liens dans la société. Hein. Et moi, c'est ça fait partie encore de World Governance.
de dévoiler les questions ça haut et puis de voir quoi aussi peut-être dans son société qui a créé richesse après quelqu'un moins focus sur politique là qui t'a qu'à faire et monio plus parler pas quoi ça plus soit créé richesse plus n'importe quoi parce que pas bouqué ou j'aime mon n'importe quoi comme ou j'aime mon millionnaire dis moi j'aime mon million ça suffit une balle pour retraite même balle faire d'autres bagages non d'abord plus souvent quoi plus souvent angoisse plus souvent angoisse garantie l'obligé comme là on peut rater ou peut précarité donc vous pensez c'est 1 million additionnel 1 milliard additionnel au fur et à mesure quoi ou vient prendre organe c'est ça magie l'argent on a des sanctions on établit pour faire que n'ayez pas fait des autres ça, il faut que le coût à payer pour la corruption soit extrêmement élevé il faut que et c'est pour ça que ce système pénal qui peut fonctionner oui. Tout ça m'a dit là nous pas rien faire dans colloque là mais nous well parce que me faire avocat parler nous faire juge parler des juges d'exécution parler etc. Le talon d'Achille, c'est le système judiciaire. Même pas, c'est un prochain rendez-vous que nous allons prendre. Ce n'est pas garder UKF, NCC, etc. Non, c'est garder le système juridico-légal pays. Comment le tribunal fonctionne, comment le juge fonctionne, sur qui base de prendre décision, ça qui a passé, est-ce que c'est l'organisation administrative là pour questionner, est-ce que c'est loi, bon, quand il y a obsolète, c'est vrai, parce que comme nous, on va fonctionner en code civil qui date de 1826. Pas tellement changé. Le code pénal va dater de 1838. Il doit demander une grande fois en 1885 pour un petit détail. Oui, il faut qu'on fasse là pour vous. Oui, mais pour ce qu'on fait, pour ce qu'on vote la loi sur le blanchiment d'argent en deux jours, et puis la loi fondamentale pays, il n'y a pas qu'à voter. Pour ça, tout le monde est descendu à parlementaire, ou à balle ressources, ou à balle comme pour carnaval, ou à balle comme pour fête patronale, ou à balle comme pour Pâques, etc. Et puis il n'y a pas qu'à voter la loi pour vous, et puis personne ne va demander le compte. Son pays qui est sous-normé. Le pays n'est pas normé. Donc, lorsque le pays n'est pas suffisamment normé, qui ça vient comme conséquence? Ou qui te hommage discrétionnaire de manœuvre dans les dirigeants, dans les agents publics, pour l'interpréter pour la loi. Pour les, dans l'absence de la norme, je suis inventé une norme spontanée. Donc c'est trop pouvoir, Bali. Donc le pays a besoin d'être normé, et pour le bien réguler, et pour le bien gérer, il faut un grand effort qu'il faut faire pour enrichir et pour moderniser l'arsenal normatif. Autrement dit, système, loi et règlement. C'est ça qui manquait. Donc, il y a le travail pour monsieur faire. Il y a le travail. Prochaine étape là, c'est qui ça dit? Bon, alors, comme ils sont chantiers, nous prenons. Nous commençons, malheureusement, à avoir un pile de ressources pour ça. Quand on a coûté monsieur un pile, bah, j'ai un pile d'aide. T'es comme ONG américaine, t'as fait Shelby. J'ai dit, Jackie, nous parlons de fonds, nous pas demander personne dans le secteur privé à financement. Et parce que c'est la corruption en sortie et n'a pas de ressources. Et puis deux semaines après qu'on a fait, je me suis dit, le secret de la solidarité n'est pas balé encore. Il n'y a pas de garantie qu'il n'y a pas balé encore. Peut-être qu'on est peut-être partenaire financier qui n'a pas un, mais Jean-Luc Collogabé ou là, monde qui l'a donné, ça a fait tout ce qu'on est pour qu'il résonne. Je me suis dit, il faut annuler, il faut dit jamais de la vie. La pensée. Bon, chemin faisant, je viens quelques entreprises qui vont avoir plus de ressources, qui vont avoir des ressources pour limiter les dégâts. Mais malgré les ressources, n'a pas continué. On a continué, nous commençons un groupe de recherche déjà établi. Il y a des chercheurs qui étaient dans le colloque là, qui commençaient à mettre ensemble, qu'on ait un travail, ils vont faire une proposition de plusieurs thématiques de recherche. Et m'espérer, peut-être m'abjoindre des acteurs dans le secteur privé, hein, qui, mûs par le désir de voir ici un pays moderne, un pays bien organisé, un pays bien régulé, avec, non pas zéro corruption, mais le minimum de corruption, avec une capacité de punir les infractions de corruption. M'explique que ma jeune rencontre avec eux, Jean de toi, tu commences à manifester déjà. Mais je m'appelle une rencontre les pouvoirs publics qui va penser que pour lutter contre la corruption, mais j'ai besoin en face de moi, tous ces acteurs, les universités, la société civile, y a même tous ces forces additionnelles qui m'arrêtent dans le combat que je fais parce que les ennemis les plus influents, les plus puissants, ils parlent en face toujours, il y a beaucoup d'eux. Donc c'est dans ce sens-là, nous prenons chemin, hein, nous parlons. Mettre le groupe de recherche là en place, nous pas faire d'autres activités tout. Pour chaque activité, nous avons fait, et pas pour contre nous, mais c'est à fouiller un peu plus, à regarder, ça m'a les infrastructures juridico-légales pays. Donc là, il faut regarder les lois, mais de manière systémique, il faut regarder les lois, mais il faut regarder les institutions. Est-ce que limite, c'est dans le façonnement? Par exemple, un bon exemple, ULCC. Pour ça, ULCC, dans le genre de loi qui fonde là, pas mal capacité saisie directement juste d'instruction. Pour ça, les dossiers de corruption, les différentes enquêtes,
livré par le commissaire gouvernement. Mais le commissaire gouvernement, c'est encore l'exécutif. Donc, le dossier n'est pas dans l'autre pouvoir. Il a une autonomie, fait ça pour le faire. Vous comprenez? Donc, l'exécutif a une chita sur lui. Force de pression qui gagne, alors, on va l'attaquer au ministre, on va l'attaquer au premier ministre, on va l'attaquer au dirigeant, dirigeant qui a bon budget, qui a bon gasoline, qui a évalué, qui a bon sanction. Non. Donc, ça, sont limitations. Donc, il faut regarder, est-ce que limitation pendant l'architecture lui-même, dans la loi au fait, dans l'assise juridique côté au fondé, est-ce que c'est dans le comportement des acteurs? Donc, c'est tout ça qui m'a demandé garder. Et au fur et à mesure qu'on va le dévoiler, on va le rendre compte qu'il n'est pas le plus difficile pour corruption installée dans la société comme étant un phénomène de société banal. C'est parce qu'il y a trop de yeux sous lui, parce qu'il y a trop de regards sur lui, il y a trop d'analyses qu'il a fait, il y a trop d'investigations qu'il a fait, qu'il va faire le compte. Bonjour, je ne sais pas ce qui est président, mais ça a toujours alerté. Oui, un peu de monde qui a choqué que dans le budget national, que le Parlement a été lié au pouvoir exorbitant, des ressources exorbitantes. Mais est-ce qu'on est que 10 ans qu'il a fait sous budget au fur et à mesure, chaque année, 10 ans qu'il a fait sous allocation aux ressources, parce que c'est des ressources publiques. Voilà, l'ouïe aux besoins de la société. Et la société, c'est pas pour de points liés, c'est les 572 sections communales. Ou parlons, on le voit, je des gens qui parlent de l'éducation, mais est-ce que l'allocation, ça, c'est ce qui est bon pour la société? Est-ce que c'est ce qui est optimal? Est-ce que c'est ce qui permet de créer richesse? Est-ce que c'est ce qui permet de faire plus équité sociale? Ou pas, je n'en le. Les cas difficiles, oui, pour le Parlement, toujours gain même quantité de privilèges dans le budget. Il parle de plus en plus difficile. Bon, quelques années, oui. On parle que le budget national là parle conformé, il parle plus équitable, il parle mettre plus de ressources pour communes, pour sections communales, il parle mettre plus de ressources pour espace payant dehors. Pour qui ça? Parce qu'on a une compréhension des phénomènes, on a des outils d'analyse, donc on a des outils de mobilisation. Donc c'est parce que le coût de la mauvaise conduite est nul que la mauvaise conduite politique continue de valer terrain. Parfait, parfait. Alors, moi, nous avons fermé pour ce Jacques et Lumarck, mais au fait, mon côté spectateur, avant l'émission de démarrer, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas dangereux lorsque politique, yo, a parlé en pile, a fait tout le temps à longueur de question de corruption, ou bien vous voulez approprier de base, est-ce que le papa est dangereux, là, on connaît que vous même gagner quand même des visées intéressées, et vous voulez prendre pouvoir, vous voulez créer le pouvoir, est-ce que vous ne pas garder l'aspect ça tout? Pas comprendre question. Non, est-ce que Polyprof, je veux dire, il y a une question pétro-caribéen, oui. Qui a fait parler en pile de lit, et aller plus loin que ça. Un politique, très présent dans ce sens-là, oui. Il parle en pile de lit. Mm-hmm. Est-ce qu'il ne peut pas paraître dangereux pour combattre le phénomène, là, lorsque c'est politique qui contrôle la situation, mais qui a peut parler tout le temps de ça? Dangereux pour qui est-ce? Pour la société, par exemple. Bon, mais moi, c'est ou bien dit, son danger pour la société elle-même. Le plus grand danger, ce n'est pas pour les acteurs, non, ce n'est pas pour les journalistes, non, mm-hmm. Ce n'est pas pour les gens dans la société civile, non, ce n'est pas pour l'université qui a fait bouger dans ça, non. C'est pour société, c'est pour 11 millions d'Haïtiens. Hein. Le danger est un danger collectif, un danger national. Et même si on ne prend pas pour compte lui, mais la fin pas jeune des alliés, parce que je refuse de croire que la corruption soit aussi généralisée qu'on le dit. Je refuse de croire que la fonction publique haïtienne soit corrompue. Mais moi, je dans l'État des gens qui sont compétents, des gens qui intègrent et des gens qui ont goûté pour être intègres. Dans le secteur qui a chargé le businessman, qui voulait un espace. Évidemment, il y a quelques business qui apprennent à fonctionner seulement sous de l'État. Qui pas foutu entrer dans un business compétitif pour faire comme normalement, acheter, vendre un produit. Il a besoin de l'État comme vache à l'air. Mais pas en pile, ce n'est pas la majorité. Je pense que la majorité d'hommes d'affaires de ce pays, tu as un système transparent, régulier, et qui mettait tout le monde face à la même condition pour faire compétition. Et c'est comme ça que la société va le moderniser, c'est comme ça que développer capacité, créer plus richesse et partager richesse surtout. Voilà, professeur Jacques Lumarck, on parle aussi recteur de l'Université Kiskeya. Et maintenant, nous avons parlé de colloque. L'Université Kiskeya a été organisée dans tête collée avec 1804 Institute. Transparence et corruption. Merci en pile parce que vous êtes disponible. Et puis, nous prétendons les prochains rendez-vous avec Kiskeya et toujours pour continuer à causer question de corruption. Et vous même annoncer, nous pourrons surtout mettre accent sur Sangela comme appareil judiciaire de pays. À votre service, comme toujours. Voilà, merci un pile parce que tu es avec nous matin sous TNH, sous absolument en direct, parce que tu passes une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.